Salut, c'est Com pour On est prêt. Merci à tous et toutes de nous regarder. Je suis avec deux citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, Fabien et Sarah. Merci d'être là. Bonjour. Et merci à Acropolis aussi pour ce plateau. Je tenais à rappeler donc aux auditeurs et auditrices qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des mesures parce que pour préserver la sérénité des débats, les citoyens ont demandé à ce que ça ne soit pas diffusé sur l'intégralité du week-end. Vous avez dû vous en rendre compte. Contrairement à d'habitude, il n'y a pas de séances qui sont diffusées en live. Mais rassurez-vous, il y a plein de journalistes qui sont dans les tribunes, qui prennent des notes et qui pourront rapporter les débats par la suite. Alors je vais commencer par une petite ouverture. Coluche disait « La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. » Selon vous, est-ce que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment participe à la réinvention de la démocratie? Et si oui, comment? Bon, je vais me lancer. Alors je trouve que c'est un exercice démocratique qui est très intéressant parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu des choses qui soient faites comme ça en France avant, et même en Europe ou dans le monde, à part peut-être l'expérience irlandaise sur l'avortement. Donc je trouve ça vraiment bien qu'on puisse avoir, que les citoyens puissent avoir la parole, même si après l'exercice a des limites, on ne peut pas être représentatif de l'ensemble de la population française. Et Sarah ? Oui, c'est vrai que c'est un exercice un peu compliqué, parce qu'il faut se mettre d'accord, il faut apprendre déjà. Pour commencer, il faut maîtriser son sujet. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je pense que pour l'avenir, ça peut être une bonne... quelque chose à institutionnaliser, oui, voilà, officialiser. C'est ça. Je pense que ça peut être un bon début pour un futur... Juste avant la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu le grand débat qui a eu lieu. C'était un dispositif aussi qui se voulait démocratique, d'ouverture, de consultation. Comment vous pensez que la Convention a fait évoluer en fait, ce débat? Est-ce que vous pensez qu'il y a une grande différence entre les deux ou pas? Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors moi, personnellement, je n'ai pas trop suivi le grand débat. Je l'ai suivi de façon... Aucun de vous n'en a fait de grand débat? Non. Et ceci étant, la différence principale quand même, c'est que le grand débat, c'était sur tout le territoire français. Là, c'est vraiment quelque chose de centralisé avec beaucoup moins de monde. Mais je pense que c'est peut-être plus structuré, parce qu'on a quand même un certain nombre de ressources techniques et intellectuelles qui permettent d'approfondir les sujets. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Ouais, de base, je ne suis pas du tout politique. Je ne m'y intéresse pas forcément. Mais ce qu'on vit là, je pense que, ouais, comme je l'ai dit, ça peut être super pour la politique de demain. Parce que, comment dire, là on est des citoyens sortis de la France et Outre-mer. On nous a donné un sujet. Et tout le monde réfléchit sur ça. Enfin, je sais pas. Non, là, je suis... Vous êtes fatiguée, oui. C'est normal. Les sessions hier ont duré jusqu'à pas d'heure. Et d'ailleurs, vous étiez tous les deux rapporteurs. Donc ça, vous avez une excuse pour être vraiment fatiguée. On le rappelle, ça a duré jusqu'à 23h, 22h30 hier. Vous étiez rapporteur du coup du groupe de travail Se Nourrir. Alors encore une fois, on ne va pas parler des mesures en détail, mais en deux mots, ça vous a fait quoi de rapporter ça, de relater un peu toute l'évolution sur les 6 mois de travail que vous avez vécu en groupe? Qu'est-ce que ça vous a fait en fait de partager tout ça aux 150? Et est-ce qu'ils ont été réceptifs? Oui, ils ont été réceptifs. On a eu pas mal de questions. On a pu débattre. On a pu vraiment expliquer ce que nous on a vécu parce que ça a été des sessions hyper longues. On a appris vraiment beaucoup de choses et d'essayer de retranscrire ça à des gens qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi, ben ça a été un bon exercice pour nous et j'espère que qu'ils vont suivre ce que nous on a dit. Et Fabien ? Moi, le premier mot qui me vient, c'est fierté sur le travail qu'on a accompli parce que au début, les travaux du groupe n'ont pas été forcément très faciles. On a eu un peu de mal à cadrer le sujet. Et je pense qu'à partir de la session 3, il y a vraiment eu une bascule. Là, on a commencé vraiment à avancer. Et aujourd'hui, moi, je suis très fier du travail qu'on a fourni dans le groupe. Et hier, on a été beaucoup challengés.
Mais je pense qu'on a réussi à être à la hauteur de ce challenge. Donc voilà, non, très fier du travail du groupe et même en général du travail des autres groupes thématiques qui ont fait un boulot vraiment fou. Voilà. Et là, du coup, on le rappelle, la séance des amendements est ouverte en fait depuis vendredi soir, mais ça va durer au-delà du week-end puisque vous aurez la possibilité d'amender toutes les propositions, quel que soit votre groupe de travail, jusqu'au 16 mars. Est-ce que vous avez l'intention de faire des amendements sur des mesures d'autres groupes de travail ou est-ce que vous pensez plutôt faire des amendements sur les mesures de votre groupe ? Est-ce qu'il y a un sentiment de manque de légitimité pour amender les autres propositions ou pas tant que ça ? Alors, c'est intéressant que tu parles de la légitimité parce que je pense qu'il faut se laisser le temps peut-être si on veut amender des sujets qu'on n'a pas traités. Parce que nos petits camarades, ils ont eu des intervenants qui, comme nous, on a eu dans le groupe Senouraire. Donc, eux ont vraiment mûri et approfondi le sujet. Donc, je pense qu'il faut se laisser le temps de décanter un petit peu le week-end. En tout cas, ça, c'est comme ça je le vois. Et puis, réfléchir à des amendements et puis voir ce que les autres peuvent proposer comme amendement. Oui, je pense que c'est compliqué. Comme il y a des thématiques, c'est compliqué de nous se dire bon bah, là, on n'est vraiment pas du tout d'accord. Enfin, parce qu'il y a un travail. Tout le monde a travaillé sur sa thématique. Donc, si ils ont choisi ces mesures, c'est que tout le monde y croit. Donc, enfin, leur groupe, au moins, y croit. Donc, c'est dur de se dire bah, non, c'est pourri ce que vous avez fait. En fait, tu penses que vous aurez pas le temps de rentrer peut-être suffisamment dans les détails pour en fait oser critiquer quelque part ce qu'un groupe de travail a fait pendant 6 mois, c'est ça que tu... Oui. Ouais. D'accord. Non. Moi, c'est mon point de vue, après les autres, d'accord. Je sais pas, mais... Très bien. Y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup, pas choqué, mais qui m'a interloqué dans les débats qu'on voyait pendant la session dans l'hémicycle, c'est que de plus en plus de personnes emploient le terme « le citoyen lambda pense que ». Est-ce que vous avez le sentiment que les 150 citoyens de la Convention et citoyennes se sont peu à peu extraits un peu de leur vie quotidienne et se sont investis un peu de cette charge de représentation de la population française ou pas ? Est-ce que vous avez évolué de ce point de vue-là depuis le début ? Est-ce que vous sentez toujours citoyen et citoyenne lambda ou pas ? Pour ma part, oui, parce que j'ai pas encore toutes les connaissances de tous les groupes. Sur mon groupe à moi, je vais pouvoir sortir des choses parce que je les ai apprises et qu'on me les a inculquées, mais pour d'autres trucs, non. Donc tu considères quand même que tu as une forme d'expertise sur certains points très précis, mais Mais pas surtout, quoi. Je suis pour produire et travailler, pour consommer et tous les autres les autres groupes, ben je suis toujours une citoyenne lambda parce que j'ai pas encore les connaissances. On vient de me les dire. Mais le temps d'assimiler, de vraiment les acquérir réellement, c'est pas possible. Enfin, là, ce week-end, non. D'accord. Et toi, Fabien ? Je pense qu'aujourd'hui, je me définirais peut-être comme un citoyen lambda, un peu plus éclairé sur le sujet de se nourrir, un petit peu plus éclairé aussi sur les autres sujets, mais non, je me considère toujours comme un citoyen lambda. En revanche, je trouve intéressant qu'on puisse... Enfin, en tout cas, moi, je ressens un peu plus une petite charge de représenter monsieur et madame tout le monde dont je fais partie, ou je considère en tout cas faire partie. Alors, on a une question très factuelle et très brève d'un internaute, c'est quand on aura les résultats finaux ? Quand ils vont tomber ? A priori, le dimanche ou le... Pas trop, mais en tout cas, le premier... week-end d'avril, donc le 7-8 de mémoire. A priori, là, on doit remettre le rapport rédigé au gouvernement. Une autre question aussi assez factuelle des internautes demande comment on peut vous aider, peut-être, Sarah. Attends, laisse-moi réfléchir. comment nous aider Si t'as pas d'idée, c'est pas grave, hein, ça viendra peut-être plus tard. Hein. Oui, en parlant de la convention le plus possible. Là, on a fait des affiches de nos visages devant la convention. C'est hyper cool, ça nous représente pas mal pour certains. Les affiches de JR qui ont été posées autour du CESE, c'est ça ? Ouais. Et oui. Parlons. Oui, essayer de parler de la convention le plus possible partout, sur tous les médias, ce serait cool.
Ok. Et toi, Fabien? Donc, ouais, je suis d'accord avec Sarah, parler de la convention et surtout être prêt à accepter des mesures qui ne sont pas forcément très populaires, qui pourraient potentiellement ne pas être populaires. On ne va pas commencer à parler de tout ça, mais je pense qu'il va y avoir des gens forcément qui vont se sentir peut-être visés directement. Et je ne pense pas qu'il faille, il faut pas être dans cet état d'esprit-là. Alors ça, justement, c'est un élément qui va être crucial dans cette convention citoyenne, c'est la réception des mesures et des propositions par les Français. On ne sait pas encore à ce jour quelles seront les mesures qui seront retenues, on ne sait pas quel sera leur niveau de radicalité ou d'ambition, ça dépend le mot qu'on peut choisir. Est-ce que vous avez réfléchi à des dispositifs à l'heure actuelle pour faire en sorte que ces mesures soient non pas seulement acceptées, mais endossées quelque part par la population française, qu'elle ait envie de vous suivre? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez... Voilà, prévu certaines stratégies. Alors ça, c'est en train d'émerger, mais ce qui ressort dans la globalité des travaux, c'est la nécessité de communiquer, d'informer et de former tous les citoyens pour qu'ils prennent conscience que ce qu'on peut proposer, c'est pas par volonté politique, positionnement, idéologie ou ces choses-là, c'est que c'est des mesures qui sont adossées à des faits qui nous ont été exposés. Et en notre âme et conscience et en notre diversité, on a tranché sur ces mesures. On nous a donné un problème à gérer. Du coup, dans tous nos groupes, on a essayé de prendre les mesures qui répondent vraiment à ce problème. Donc il y aura des gens forcément un peu fâchés, mais c'est pour le bien de... Enfin, c'est pour vraiment répondre à notre problématique. Donc... Et du coup, d'ici quelques heures, vous allez réfléchir à une adresse aux Français qui sera... On ne sait pas encore la forme exacte que ça prendra, mais en tout cas, vous avez l'intention, à côté du rapport final qui comprendra les mesures, d'apporter un message plus une vision peut-être pour partager votre expérience. Vous en êtes où de cette démarche-là, de l'adresse aux Français? Elle est en relecture actuellement. C'est l'organisation qui a, pour l'instant, agrégé tous les messages de chaque groupe thématique pour en faire un texte. Et aujourd'hui, on a, je crois que c'est cet après-midi, de mémoire, on doit reparler de tout ça pour amender le texte. Et je pense que ce sera publié très rapidement. Il faut s'adresser au community manager de la convention. Dans les jours à venir, je pense que on va pouvoir avoir ce texte. On va repasser aux questions des internautes. Une question très très rien. Je ne vais pas mettre de jugement ou de qualificatif sur cette question parce qu'elle est brève. Est-ce que vous avez confiance en Macron? Bon, on va essayer de se restreindre au périmètre de la convention quand même. Je t'ai dit que j'étais pas du tout politique, donc. Donc pas d'avis, c'est donc, très bien. Je réponds pas. Sur le sujet, pour l'instant, je reste assez confiant, dans le sens où l'intervention qu'il a faite au mois de janvier m'avait plutôt rassuré, alors que j'en attendais pas forcément grand-chose. Après, voilà, ça dépend où tu mets le curseur de la confiance. Si la confiance se trouve au niveau de « il doit prendre toutes nos mesures », pas forcément. Après, s'il choisit des mesures et... En tout cas, je lui fais confiance pour assumer le fait de prendre ou pas toutes les mesures et de prendre ses responsabilités. D'accord. Et vous pensez qu'il viendra effectivement rendre des comptes, comme il s'était engagé lors de la session 4, ou pas? Est-ce qu'il va respecter cette promesse, selon vous? Il a parlé, donc il l'a dit, donc s'il ne le fait pas... Eh ben on croise les doigts et puis on verra. Une autre question aussi très, très brève et très directe et fondamentale aussi qui va vraiment impacter le paysage politique probablement dans les prochains mois à l'issue de la convention, c'est est-ce qu'il y aura ou non un référendum? Vous avez parlé de ça vendredi, alors j'imagine que de toute façon la réponse n'est bien sûr pas définitive. Où vous en êtes sur cette question-là? Est-ce que c'est toujours une possibilité ou non? A priori, c'est toujours une possibilité. Après, quel sujet sera mis en délibéré du référendum, pour l'instant, c'est absolument pas tranché. Mais oui, ça reste une possibilité, c'est encore sur la table. Oui, tout est encore possible. On n'a pas encore défini réellement
ce qu'on allait faire en référendum ou non. Ou... Donc c'est à voir. Il y a une question aussi qui revient fréquemment dans les commentaires des gens autour de la convention qui n'ont pas eu la chance encore de venir voir les débats, c'est le groupe d'appui. Le groupe d'appui est très souvent évoqué par les citoyens, qu'ils soient en tribune ou même dans l'hémicycle, en faisant référence, en remerciant aussi le groupe d'appui. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer en deux mots le rôle du groupe d'appui et vous, ce que vous en pensez personnellement? Est-ce que ça vous a aidé dans votre démarche sur votre thématique que vous avez présentée hier? Le groupe d'appui, c'est des experts. Nous, on est citoyens lambda. Il y a des citoyens qui maîtrisent parfaitement des sujets, d'autres pas du tout. Bon, j'en fais partie. Et les experts sont là pour nous donner toutes les informations nécessaires et importantes pour essayer de répondre à notre sujet et aux problèmes donnés. Je pense que on peut. Je dirais que le groupe d'appui, ça a été notre caution un petit peu technique et intellectuelle. Ça a vraiment été. On a eu des intervenants, on a eu de la documentation. On a essayé de retraiter tout ça dans des mesures qui ont émergé petit à petit. Et le groupe d'appui a vraiment été là pour nous dire à notre sens, vous prenez la bonne direction, vous ne prenez pas forcément la bonne direction. Donc, non, ça a vraiment été un soutien qui a été vraiment très important. Ouais. Et du coup, j'ai trois questions supplémentaires sur le groupe d'appui. C'est qui sont ces personnes? Qui les ont désignées? Et est-ce que vous sentez qu'en tant que citoyen, vous pouvez prendre vos distances avec ce qu'ils vous disent? Est-ce que c'est véritablement un appui? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a une influence qui parfois peut être un peu dérangeante? Alors... Qui sont-ils? Moi, je vais en citer un seul, c'est Sébastien Treiler de l'IDRI, qui est un institut international sur le développement durable. Il n'y a pas, à mon sens, en tout cas dans le groupe, il n'y a pas eu d'influence de sa part. Il nous a vraiment guidés, aidés, fait énormément de recherches. Il y a des choses auxquelles nous, on avait pensé, qui lui, spontanément, lui sautaient pas aux yeux. Et quand il a cherché un peu, il nous a dit « Ok, je comprends pourquoi vous mettez ça, je vous suis, je vais essayer de vous appuyer pour que ça s'imbrique parfaitement avec le reste. » Donc non, pour moi, pas d'influence, c'est vraiment un appui sur lequel on peut compter. Le même avis, à peu près. Et sur la question de qui les a sélectionnés, est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez une part dans cette sélection d'experts ou pas? Alors, pour le cas de Sébastien Treiler, il faisait partie des intervenants qu'on a eus au deuxième week-end, je crois. Sur le mode de sélection, on n'a pas forcément, de mémoire, on n'a pas forcément été consulté. En tout cas, moi, je faisais confiance aux animateurs pour identifier les bonnes personnes. Puis même assez rapidement, dans les interactions qu'on a eues avec lui, on s'est rendu compte que ça pouvait, c'était la bonne personne, entre guillemets. Du coup, de ce que je comprends de ce que tu dis, Fabien, c'est qu'il y a un véritable dialogue avec ces experts qui se restreignent au rôle d'appui et qui découvrent parfois, qui découvrent des propositions de mesures avec vous. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vous suggèrent n'était pas prévu à l'avance. Ils produisent un travail nouveau pour vous appuyer sur les mesures. Et du coup, c'est intéressant parce que ça montre que dans ce débat, ce n'est pas une démocratie d'experts où c'est eux qui vous donnent les mesures et ensuite vous, parce que vous avez beaucoup appris et compris, vous les proposez. C'est plus compliqué que ça. Ce que j'ai repéré aussi dans l'hémicycle, c'est bien souvent d'entendre des citoyens qui disent « J'ai été parler avec des élus locaux, avec des directeurs de région, etc. » Et ils m'ont dit ça. Ça vous fait quoi de devenir quelque part presque des porte-parole d'élus locaux? Les citoyens deviennent les porte-parole des élus. Est-ce que déjà vous avez fait la démarche? Et qu'est-ce que vous pensez de ce renversement un peu? Alors moi, j'ai fait assez peu de démarches à côté. J'avoue que j'étais beaucoup moins actif que certains. Voilà, j'ai pas pu faire autrement, on va dire. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit... En tout cas, ce que j'en perçois, j'ai pas l'impression qu'il soit porte-parole d'élus. Je pense que c'est plutôt instaurer un dialogue et voir s'inspirer de ce que peuvent dire ces élus pour nourrir aussi nos réflexions.
Tu veux dire un mot, Sarah? Oui, je ne suis pas allée voir Déluge. Non. Mais c'est très bien pour ceux qui le font parce que ça fait connaître la convention encore plus. Donc c'est cool. Mais voilà. Une question aussi que moi je me pose en permanence, et enfin j'avais des doutes en fait dans tout le déroulé de la convention depuis le début, c'est à quel point vous, citoyens, arriverez à vous adapter à ce qui existe déjà. Parce que refaire le monde à partir d'une page blanche, surtout avec un objectif tel que réduire les émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990, on peut être tenté de faire des mesures un peu drastiques en oubliant complètement la loi sur les mobilités, par exemple, la loi sur la transition énergétique. Est-ce que vous sentez que c'est suffisamment pris en compte, ça? Est-ce que c'est un élément qui revient en permanence dans le débat ou pas tant que ça, finalement? Qui veut? Je vais me lancer. Ouais, je pense qu'on a réussi. Enfin, en tout cas, là, on a le panorama des 150 mesures qui sont proposées. Très souvent, il y a eu une prise en compte de ce qui existe déjà. À certains moments, c'est des recommandations pour aller plus loin, pour être un peu plus ambitieux. Mais c'est vrai que ça a été compliqué, je pense, en tout cas pour moi, de nous inscrire dans un contexte des choses qui existent déjà, quoi. Et c'est là que je trouve que ça rejoint ce que disait Nicolas Hulot sur l'expérimentation de la complexité. Oui, on ne peut pas changer le monde. De toute façon, on savait qu'on n'était pas là pour ça. On s'est beaucoup appuyé sur ce qui a déjà été fait. Et on va essayer de rendre les choses mieux pour le futur. Mais oui, on va pas changer le monde en 2 jours, quoi. Maintenant, ça fait plusieurs jours que vous avez débattu en hémicycle à 150, alors que, on le rappelle, hein, dans les sessions avant, c'était quand même des moments pas rares, mais c'était pas la majorité des cas. Vous étiez beaucoup en groupe de travail à quelques dizaines. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris à débattre à 150, qui est quand même pas quelque chose de très naturel? Est-ce que vous avez appris des choses sur les façons de débattre et de délibérer à 150? Le premier week-end, quand on est arrivé ici, qu'on était dans l'hémicycle et qu'on a dû répondre à des questions, ça a été un peu compliqué parce que déjà on ne se connaissait pas et on avait des points de vue totalement différents et de les confronter, ça a été compliqué. Maintenant, je pense que le fait qu'on commence à se connaître un peu plus, ben on essaye de mettre un peu l'effort, mais je trouve que c'est quand même mieux. Le débat est plus simple, enfin, à peu près. Il y a encore quelques envolées lyriques, mais dans l'absolu, je trouve que ça, les interactions se font bien, ouais. Avec tous les profils différents qu'on a, je trouve que ça aurait pu être bien pire. Bon, la dynamique est vraiment bonne. Après les envolées lyriques, on en retrouve à l'Assemblée nationale. Donc j'imagine que c'est quelque chose que même les élus les plus aguerris font toujours. Donc c'est peut-être quelque chose qui est finalement pas évitable. Mais on a entendu parler beaucoup dans les couloirs de cette convention. Et là, ça a été, on en a parlé même en hémicycle. Vous aviez le projet plus ou moins de vous retrouver après la convention pour peut-être soutenir, défendre les mesures. Est-ce que vous, personnellement, là, vous vous inscrivez dans cette logique ou, au contraire, en tant que citoyen lambda, vous estimez avoir fait votre devoir et que, une fois le rapport final mis, vous vous retirez de ce processus-là? On va essayer de créer une association avec les 150 pour la pré-convention. Et j'ai signé pour dire que j'étais d'accord. Et je trouve que là, ça fait 6 sessions qu'on est ici. Et se dire au revoir comme ça du jour au lendemain, pas sûr que. Enfin, je l'avais pas envisagé. Je m'étais toujours dit que oui, il fallait quand même. Enfin, je me vois pas dire c'est bon, c'est fini. Faire ma petite vie comme ça et oublier tout ce qu'on a vécu ici. Trouvais pas ça possible. D'accord, et toi, Fabien? Alors moi, j'ai rempli le petit bulletin d'inscription pour l'association. Du point de vue du suivi de nos travaux, je trouve que c'est bien d'avoir l'association pour
pour que ça se termine en douceur, voire d'être attentif, des citoyens attentifs sur comment ça va être reçu. Après, peut-être que s'il y a d'autres conventions de ce type, ça peut permettre aussi de capitaliser l'expérience des citoyens pour d'autres citoyens. Il ne s'agit pas non plus après de devenir des consultants ou des spécialistes de conventions citoyennes. Puis après, l'aspect personnel, c'est vrai que on a passé quand même un petit peu de temps maintenant ensemble et couper du jour au lendemain comme ça, ça ferait un petit peu bizarre, je pense. Ouais. Vous êtes effectivement beaucoup vu. On peut avoir le sentiment de l'extérieur que vous ne vous retrouvez que pendant les sessions. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez beaucoup de sessions. Et ça, de l'extérieur, d'ailleurs, même pour moi, parce que je n'ai pas accès aux sessions entre les sessions, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur la fréquence de ces sessions, qui les organise, les thèmes abordés, et est-ce que le rythme s'accélère à l'approche de l'échéance ou pas tant que ça? Il y a des webinaires qui existent entre les sessions. Et c'est les animateurs qui s'occupent de ça. On peut s'appeler ou se voir. Et non, je trouve pas que ça s'accélère pour la fin, là, pour le moment. Et vous en avez combien par mois ou par semaine, enfin... Une séance entre les intersessions. D'accord. Et toi, Fabien, c'est pareil, parce que j'imagine que vous avez parfois certains citoyens vont au comité de gouvernance, certains... Enfin, vous n'avez pas tous exactement le même statut. Et du coup, Fabien, est-ce que pour toi, c'est pareil? C'est environ une séance webinaire entre... Moi, j'aurais dit une séance ou deux, parce qu'il y a, on va dire, tous les 15 jours, il y a une séance thématique sur se nourrir. Puis après, il y a des webinaires qui peuvent être organisés sur le financement ou sur la constitution, qui sont des choses... assez importante, qui faisait partie avant des travaux du groupe Les Squad, qui n'existe plus. Donc ouais, on va dire entre 2 et 4 dans les intercessions, mais c'est voilà, une moyenne. Quoi. Après, on n'est pas obligé d'y assister. C'est à son bon vouloir. On peut assister à l'une et pas à l'autre. Enfin, c'est pas du tout dérangeant. Et après, à la fin de chaque webinaire, on a le retour. On a la vidéo, on a les documents. On a, même si on n'est pas présent le jour J, on a tous les documents nécessaires. Il y a aussi la plateforme J'en parle, où on peut mettre des choses par écrit. Il y a une carte avec toutes les initiatives que les citoyens ont prise, des rencontres avec des élus, des choses comme ça, des associations. Donc ça permet aussi de faire vivre le lien, et aussi après des réseaux sociaux, des boucles WhatsApp et j'en passe. Il nous reste environ une minute. Du coup, je vais vous proposer un petit exercice à chacun. Imaginez que je suis, j'allais dire Patrick Poire d'Arvor, mais non, il n'est plus là, il n'est plus en fonction. Mais vous êtes sur le JT de TF1, vous avez 30 secondes pour transmettre un message aux Français. Quel serait-il ? Vous pouvez réfléchir 10 secondes. Et vous commencez quand vous voulez. Soutenez-nous. Parce que ce n'était pas un exercice facile. Mais on a essayé de prendre les mesures et recommandations les mieux et pour répondre au sujet donné. Comme je l'ai dit, il y aura forcément des gens pas contents. Mais on essaie de répondre, nous, à la problématique. Ah, ça va être... Dans la justice sociale, il ne faut pas l'oublier. Je vais rejoindre Sarah sur le message. C'est, ouais, faites en sorte de nous suivre, ayez conscience qu'on a fait notre maximum, et puis ne vous crispez pas s'il y a une ou deux mesures qui ne vous plaisent pas ou pour lesquelles vous vous sentez atteinte. Ne rejetez pas en bloc l'ensemble des mesures, ce serait trop dommage. Voilà. Merci Sarah, merci Fabien, et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On va continuer sur Acropolis, là, sous peu. Continuez à nous suivre sur Acropolis, sur On est prêt, sur les réseaux sociaux, et on se retrouve à la session 7, qui sera la dernière session de la Convention citoyenne. Au revoir.